À deux journées de la fin de la Ligue 2 et le GFCA et l'ACA sont au-dessus de la zone de flottaison, mais il leur faudra sans doute gagner encore. En N2, le FCBB et Fourial n'y espèrent toujours. Après sa montée sportive, le SCB change de forme juridique. Pourquoi ? Pour nourrir quels objectifs ? Réponse dans cette édition.